Alors, on va résoudre le système suivant. X et Y sont les inconnus, tels que leur somme est égale à S et leur produit est égal à P. S et P sont donnés. Alors, les solutions de ce système-là, nous l'avons déjà vu dans une vidéo. Ce sont les solutions de l'équation T carré moins S T plus P est égal à 0. Alors, on pose delta le discriminant, c'est B au carré moins 4AC, donc c'est S carré moins 4P, et on discute le signe de delta. Si delta est négatif, l'équation n'admet pas de solution, bien sûr, et par suite, le système aussi n'admet pas de solution, et par suite, S est égal à ensemble vide. Si delta est égal à 0, l'équation là admet une seule solution qui est égale à S sur 2, c'est-à-dire moins B sur 2A. Et par suite, puisque X, Y sont les solutions, elles jouent un rôle symétrique parce que X plus Y c'est Y plus X et X fois Y c'est Y fois X. Donc le système admet une seule solution qui est le couple S sur 2, S sur 2. C'est-à-dire x, c'est s sur 2, y, c'est s sur 2. Si delta est strictement positif, bien sûr, l'équation admet deux solutions distinctes, qui sont T1 et T2, c'est-à-dire moins b plus racine de delta sur 2a, et moins b moins racine de delta sur 2a. Et par suite, le système admet deux couples de solutions, qui sont T1, T2, et T2, T1, x, T1, Y, T2, ou bien X, T2, Y, T1. Alors, exemple, résoudre dans R2 le système X plus Y est égal à 6 et X fois Y est égal à 5. Alors, on pose S est égal à 6 et P est égal à 5. Puis, on résout l'équation T carré moins ST, c'est-à-dire moins 6T, plus P, c'est-à-dire plus 5, égale à 0. Le discriminant, le voilà, c'est S au carré moins 4P, donc c'est 36, moins 4 fois 1 fois 5, c'est-à-dire 20, donc c'est 36 moins 20, c'est 16. Racine de delta, c'est 4. Et les solutions sont T est égal à moins B, c'est-à-dire 6, plus racine de delta sur 2, donc c'est 10 sur 2, c'est 5, ou bien 6 moins 4 sur 2 est égal à 1. Et par suite, les solutions du système sont 5, 1 et 1, 5. Deuxièmement, déterminer un polynôme de degré 2 tel que ses racines sont alpha est égal à 1 et bêta est égal à moins 2. Alors, on va poser P de x est égal à x carré plus bx plus c sur polynôme. C'est un trinôme, polynôme de deuxième degré et alpha et bêta, c'est racine. Alors, on a alpha plus bêta, c'est 1 moins 2, c'est moins 1. Et alpha fois bêta, c'est 1 fois moins 2, c'est moins 2. Et d'après l'exercice précédent, si on pose S est égal à moins 1 et P est égal à moins 2, alors alpha et bêta sont les solutions de l'équation S carré moins ST plus P égale à 0. C'est-à-dire T carré, S c'est moins 1, donc c'est plus T, moins 2, est égal à 0. Et par suite, le polynôme demandé et cherché est P de x est égal à x carré plus x et moins 2. Pour vérifier, alors pour résoudre c'est l'équation P de x égale à 0, c'est-à-dire chercher les racines, delta c'est 9, c'est 1 moins 1 au carré, moins 4 fois moins 2 fois 1, donc c'est 9. Donc, les solutions sont moins B, c'est-à-dire moins 1,
plus racine de delta, c'est 3 sur 2, sur 2, a est égal à 1. Donc c'est 2 sur 2, c'est 1. Voici alpha est égal à 1. Et bêta est égal à moins b moins racine de delta sur 2, donc c'est moins 4 sur 2, c'est égal à moins 2. Voilà. Alors, troisièmement, si alpha est l'une des solutions des équations suivantes, déterminez l'autre solution sans passer par le discriminant ni chercher à résoudre l'équation. Alors, alpha est égal à 3 et l'équation c'est x carré moins 10x plus 21 est égal à 0. Solution. On sait que si alpha et bêta sont les solutions de l'équation, la somme des racines c'est moins b sur a et le produit c'est c sur a. C'est-à-dire que c alpha fois bêta. Alpha c'est 3. Bêta c'est ce qu'on cherche. C c'est 21. Et a c'est 1. C'est le coefficient de x carré. Donc 3 bêta est égal à 21. Donc bêta c'est égal à 21 sur 3 est égal à 7. Voilà l'autre racine. Bien sûr, sans passer par le discriminant, sans résoudre l'équation. Alors, même question, c'est vous maintenant que vous allez chercher le bêta, de la même façon, avec alpha est égal à moins 9, et l'équation c'est x carré plus 8x moins 9 est égal à 0, c'est à vous de faire cet exercice-là. Alors, montrez que bêta c'est 1. Alors, remarque, bien sûr, comme j'ai dit, il ne faut pas utiliser le discriminant. Faites comme on a fait ici dans petit a. Alors, exercice. Résoudre dans R au carré le système suivant. 2 fois racine de x moins 1 moins racine de y plus 2 est égal à 7. Et moins racine de x moins 1, c'est le même ici, plus 2 racine de y plus 2 est égal à 4. Alors, il faut d'abord une condition de l'existence du système. Il faut que x moins 1 soit positif et que y plus 2 aussi soit positif parce qu'on a la racine. Donc ici, ça donne x plus grand que 1 et y plus grand que moins 2. Donc ce sont les conditions. Donc il faut les solutions qu'on va trouver. Il faut que pour x soit plus grand que 1 et que y soit plus grand que moins 2. Sinon, il n'y a pas de solution. Si au moins x, on trouve que x strictement inférieur à 1 et y supérieur ou égal à moins 2, ça ne marche pas. Et même si on trouve x supérieur ou égal à 1 et y, par exemple, inférieur à moins 2 strictement, ça ne va pas marcher. Alors, pour ces conditions-là, c'est-à-dire x plus grand que 1 et y plus grand que moins 2, on pose. Racine de x moins 1 est égal à t et racine de y plus 2 est égal à s. Et on résout le système 2 fois t moins s est égal à 7, moins t plus 2 fois s est égal à 4. Bien sûr, pour résoudre ce système-là, nous avons plusieurs méthodes. La méthode de substitution, la méthode d'élimination, la méthode de Cramer, comme on a expliqué dans une vidéo précédente. Alors là, on va utiliser la méthode de substitution, c'est-à-dire on va écrire la s en fonction de t. Maintenant, s est égal à 2t moins 7. Et on va la remplacer ici. Donc moins t plus 2 fois quoi? 2t moins 7 est égal à 4. Ici, on va développer 2 fois 2t, ça fait 4t moins t, ça fait 3t. Et ici, moins 14, je fais passer de l'autre côté, ça fait 14 plus 4, ça fait 18. T est égal à 18 sur 3, ça fait 6. T est égal à 6. Et je remplace ici, ça fait 12 moins 7, ça fait 5. Donc T est égal à 6 et S est égal à 5. Et on va remplacer maintenant. Alors ça c'est T, racine de x moins 1 et T est égal à 6. Et là, c'est s, racine de y plus 2 est égal à 5. On va élever au carré. Donc, x moins, racine de x moins 1 au carré, c'est x moins 1. Et ça, c'est 6 au carré, c'est 36.
Et ça, c'est racine de y plus 2 au carré, c'est y plus 2. Et 5 au carré, c'est 25. Donc, ça donne x est égal à 37 et y est égal à 23. Donc, on a bien les conditions avant. Et par suite, l'ensemble des solutions, c'est le couple 37 et 23.